Nous sommes de retour pour le match décisif des G2 Esports. Duke, bien que cette victoire assez incroyable des Funk Buffalo face aux Flash Wolves nous permette de croire bien sûr à bon, il y aura un tie-break dans tous les cas. Si G2 perd contre Africa Freaks maintenant, ils seront en tie-break face aux Flash Wolves. Si G2 gagne ce match, ils seront premiers du groupe A, Duke. Un peu contre toute attente, ouais. Et il passerait forcément en quart de finale. Bah, contre toute attente, personnellement, je l'avais mis dernier du pick d'em. Après les avoir vus. Troisième, moi. Je les avais vus au play-in, je me suis dit, ok, ils sont dégueux. Ils n'arrivent plus à remettre en place leur jeu. Pourtant, ils m'avaient énormément impressionné pendant le gauntlet. Et là, eh bien, parfois c'est excellent. Et parfois, ils patinent un peu suivant la draft. Et c'est là où ça va être très, très important. Je pense que les G2, encore une fois, on l'a dit plusieurs fois, dépendent énormément de leur draft. Ils ont gagné contre les Africa Freaks au match précédent, mais la dernière fois, ils étaient en red side. Maintenant, ils vont être en blue side, ces G2, il me semble, si on respecte l'ordre des logos là, dans la présentation. Et la différence, c'est qu'en blue side, il faut blind pick. Et quel est le... enfin, on voit que tout dépend des match-ups des solo lane pour les G2. En face, il y a un Keen, il a envie de counterpick et on a vu qu'il a counterpick cette Camille avec le Jax. Ouais, tu m'en parlais un peu en off. Nous-mêmes, on en parle que du off, mais on parlait justement de ces possibilités peut-être pour G2, s'il n'avait pas accès à la Camille, de sortir des champions un peu différents. On avait évoqué Jax. Du coup, les Freaks, qui par leur petit génie Keen, ont décidé de sortir ce pick contre Camille. Alors, c'est un match-up qui, sur le papier, est à l'avantage du Jax. C'est-à-dire que si tu mets deux diamants 1, je pense, qui jouent l'un contre l'autre, le Jax va probablement démolir la Camille. Cependant, à très haut niveau, la Camille peut gagner contre le Jax. Et en fait, tout dépend du skill de la Camille. Si la Camille réussit à outplay le Jax, elle peut gagner pour plusieurs raisons, notamment parce qu'elle peut ulti au moment même, la frame juste avant que Jax réussisse à lâcher son E, son stun, sachant que le Jax peut le lâcher quand il veut, donc il faut réussir à lire le déplacement du Jax. Et en plus, sachant que généralement on engage avec le E, le hookshot de la Camille, derrière, en fait, il y a le même cooldown quasiment à 2 secondes près entre le stun et le hookshot entre le Jax et la Camille. Et du coup, si on engage avec le E, et ben en fait, on a un deuxième stun avant le deuxième stun du Jax. Et du coup, si le trade dure un petit peu, on peut le bait. Est-ce que tu penses que Wunder peut battre le Jax de Keen avec Camille? Je pense que si quelqu'un peut le battre, c'est lui. Let's go. On va voir. Dans tous les cas, peut-être que ce match-up n'arrivera jamais. Mais on est parti, G2 Esports en blue side dans ce match décisif face aux Africa Freaks. Alors, Tahm Kench, Alistar, Aatrox ou Camille, ce sera Aatrox. Bon, bah, eh bien, du coup, pas de. Après, ça peut être encore une fois Aatrox Min. Hein. Les G2 qui aiment bien aussi pouvoir flex comme ça, parce que de pouvoir flex jusqu'à la fin, eh bien, ça peut permettre de donner un de ces fameux match-up gagnants sur les sides. Mais Aatrox, un peu hybride finalement. Alors, un blind pick d'Alistar contre les G2. C'est tout simplement réclamer un Tahm Kench quasiment. J'ai l'impression. Hein. Fessez-moi avec Tahm Kench. Ouais. Alors est-ce qu'on part sur un jungler agressif comme Talia ou Olaf? Est-ce qu'on sécurise un des AD carry peut-être dominant par exemple, une Kaisa qu'on va pas forcément punir chez les G2? Nocturne a été ban, c'était quand même un des gros focus des Freaks dans la journée d'aujourd'hui.
étonnant de voir un Grey si tôt, je trouve. Je trouve pas qu'il ait tant de prix haute sur ces worlds. C'est vraiment, donc encore une fois, le couteau suisse de la jungle. Alors les G2, on va prendre un time cash, c'est quasi certain. Est-ce qu'on sécurise un Aikari avec ou est-ce qu'on joue un jungle agressif, par exemple un Olaf? Oh, c'est Taga, le Jin. Mais le Jin Time Kench qui est peut-être l'arme secrète, l'arme fatale des G2. Des Splice aussi, oui, c'était notre combo préféré. Je trouve ça complètement broken ce combo parce que c'est un. Alors, déjà, en fait, c'est un combo qui a énormément de potentiel de kill en lane. Il suffit pour toucher un Q avec le Time Kench. Et derrière, on peut le déplacer tout au long de la map. Et surtout, quand on a des solo lane fortes, on peut très facilement jouer avec eux avec énormément de range. Oh, j'ai l'impression que les Freaks vont nous construire un petit bunker autour de leur Kai'Sa. Ouais, donc les Freaks qui visiblement visent le teamfight, les G2, on les connaît. Les teamfights, ils mettent pas les pieds dedans. Alors ceci dit, hein, face au Flash Wolves tout à l'heure, ça a été un match qui a souvent fini en teamfight. Alors les G2, pour moi, ils doivent ban Sion là-dessus parce que... Les Afrikari, donc ils ban Syndra qui devrait être un des blind picks que les G2 pourraient aller chercher sur la mid lane. C'est juste que les Afrikari, ils veulent teamfight a priori, donc il faudrait peut-être éviter de leur donner un match-up trop résilient sur la top lane et qui a aussi cette capacité d'engage. Alors on veut ban le blanc du côté des G2. Bon, Kelly bien sûr qui est plus disponible. Quel va être le blind pick choisi par G2? Ryze est toujours disponible hein, actuellement. Ah, bien sûr, effectivement, pick relativement intéressant, même si il y a quand même quelques coups de vie, on peut penser à Cassiopeia. Alors je sais pas si Kuro est un gros joueur de Cassiopeia. Il a déjà joué des Cassio, Kuro. Maintenant, c'est pas non plus son pick phare. Et c'est le Ryze finalement qui sera pick du côté des Afrika Freaks. Je pense que là, il faut peut-être une Cassio justement du côté de Perks avec en dans la jungle. Je verrai bien là-dessus. Soit un Talia, soit un Olaf. Le Olaf qui permettrait d'avoir un petit peu de mix de dégâts sur la mid lane. Entre les deux, peut-être le Olaf. Bon, ce sera. Après, Yonkos qui a mis énormément de priorité hein, sur Talia récemment. Peut-être parfois trop, je trouve. Donc la Cassio. Ça y est, la Cassio. Pour moi, Cassio, là, c'est gratuit. Après, Olaf ou Talia. J'ai un peu du mal à me décider. Le problème de la Talia, qui va Camille, qui pourrait être un bon entre-deux. Le problème de la Talia, c'est que si tu te fais go in par un Alistar et un Gragas, tu te fais tout simplement one shot. Le Olaf qui peut avoir un peu de mal par contre à aller chercher une Kai'Sa. Et la Camille qui est, je pense, un bon compromis pour Yankos. Attention, on peut aussi voir. Oui. Un Atrox Jungle. Je pense à Max Lore. Je pense 100% à Max Lore pour ça. Et honnêtement, je suis en train de me demander si G2 a pas envie de faire quelque chose comme ça. Qu'est-ce qu'ils font les Africains? Ils nous mettent un Gragas. Un Rise Top. C'est un Rise Top. Le Rise Top, ouais. Il peut être flex. Il peut être flex qui est ok contre Atrox. Et contre un Galio. Sachant que Galio, ça perd contre Cassio. Cassio, ça peut mettre énormément de pression sur un Galio. Je pense pas que ce soit forcément un bon pick. Mais là, les Africains, qui veulent ce Galio pour sécuriser le side avec le Rise, lui donner de l'air en early mid et avoir un follow-up à éventuellement un engage d'Alistar. Voire un engage de Kai'Sa à Lucky, ça s'est vu. Même si généralement, on fait ça aussi avec un Shen en plus. Donc là, les Freeze qui nous font un peu ce qu'ils ont fait aujourd'hui, à savoir un gros speed pusher tout de même dans leur draft, le Rise, et le reste de la combinaison qui donne quand même de grosses garanties de scaling et de teamfight pour le late game. Ouais, après c'est quand même risqué parce que les Freeze qui ont du coup ce speed pusher qui est Rise qui normalement démolit le Atrox. Le problème c'est que avec la Camille qui peut arriver en soutien du Atrox, c'est très difficile en late. Et Kench aussi. Et Kench bien sûr, le fameux Time Kench qui je pense honnêtement, moi si je joue contre G2, je perds ma ban Time Kench. C'est vraiment le champion. Bien plus qu'Aimer, j'ai bien plus peur d'un Time Kench que d'un Aimer dans les mains de G2. On est parti, regardez Wadid, hein. Regardez les G2, ils ont hâte d'en découdre, ils ont hâte de rentrer dans ce match, eux qui peuvent sécuriser la première place du groupe. Situation que peu de gens voyaient venir, hein. tous les analystes de la scène, tous les gens qui travaillent sur League of Legends ne voyaient pas vraiment ce scénario arriver, Duke. Ouais. Est-ce que tu as déjà vu quelqu'un plus heureux de faire une partie de Time Kench? Que Wadid là? Bah écoute, non, pas trop, hein. Pas trop. Le mec il se dit, je vais me faire, je vais me régaler. Tussin, tu vas pas claquer un combo de la game. Voilà, je vais les lécher jusqu'à la mort. En tout cas, les G2 contre les Afrika Freaks, le premier espoir, un deuxième espoir de l'Europe de se qualifier pour les quarts de finale. Ah, il va falloir cartonner. C'est à leur portée. Hein. Les G2 qui ont fait des très belles games. Je pense qu'ils ont une très 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 bonne draft cette fois-là. C'est exactement ce qu'il faut pour les G2. Oh. Les Coréens qui soutiennent les G2 contre les Afrika Freaks. Ah ouais.
Alors peut-être aussi que c'est les quelques fans taïwanais, ouais, ou les quelques journalistes. Peut-être que je pense à un certain Thibaut Verdet qui est peut-être dans le public. Donc voilà, peut-être. Il y avait l'air d'y avoir plusieurs voix quand même, Duke. Ouais. Il y avait l'air d'y avoir plusieurs voix. Alors niveau 1 et les G2 eSports qui se positionnent comme d'habitude pour prendre l'information sur ces Africa Free. J'ai pas l'impression qu'on part sur un cheese à la Vitality. Dans tous les cas, les Vitality qui ont proposé des choses assez incroyables au niveau 1 dans ces Worlds. Et pour l'instant, chaque équipe se contente de prendre la vision. On va poser ces fameuses wards des pixels bouge. J'ai l'impression, à moins qu'on avance un peu du côté des G2. Ouais, on a mis un poro, les G2 qui voudraient prendre le contrôle de ce bush. Attention là, Toussaint qui est juste derrière, mais Perks qui a un level 1 descend. Il n'y a pas des gros levels de toute façon dans cette partie. Et Yannet qui va pouvoir mettre son dernier shot. Attention parce que Wadid il peut encore slow. Hein. Il peut encore slow Wadid. Attention quand même là-dessus, Toussaint, on est obligé de claquer le heal du côté de Kramer, le flash out. Garland qui a son dernier shot. Est-ce qu'on va tenter le flash? Non, on est un petit peu loin. Non, mais Yankos qui force le flash out de Kuro. Et Yannet qui trouve un critique sur Kramer. Kramer déjà mid life dans ce match. C'est un bug du côté de Wadid. Wadid qui prend ce back. Bon, directement Yarnan qui revient en lane. Attention, Yarnan, Tussin est en embuscade. Attention pour le carriadé des G2 eSports. Tandis que la Camille commence en solo. Il a tenté le X-Flash, Tussin. Ouais. C'est bien lu du côté de Yarnan. Ouais, le X-Flash, on sent le level 2 pour l'instant. On a forcé le back de Wadid. Plus de heal pour Wadid avec son spellbook. Mais bon, il va pouvoir faire tourner. Ouais, le seul problème maintenant, c'est qu'il a commencé au Q. Donc, il a commencé au Q, donc pas normal, forcément. Mais il va pas avoir la dévoration quand Toussaint va être level 2. Donc, il va falloir faire très attention sur ce timing. Et Yankos, qui a fait raid vers le scuttle, on va pouvoir donner vraiment de l'air à sa botlane. Il est vu, par contre, Yankos. Quand on a commencé le topside chez Spirit, est-ce qu'on peut aller chercher les deux scuttles, sachant que Camille veut absolument jouer les scuttles. Hein, elle a un peu de mal à clean les camps. Ouais, elle se dirige vers le deuxième, j'ai l'impression, tandis que Spirit en est déjà à son quatrième camp. Yankos qui vient sécuriser ce nouveau carapateur ici. Et la pression de Perks et de Miss sur la mid lane, pareil au top. Wunder est lancé dans son 1v1 et au bot, Yarnan et Wadid qui sont dominants. G2 pour l'instant qui a l'air de parfaitement mener cette early game. Ouais, bah les G2 là, de toute façon, qui ont leurs outils. Hein. C'est-à-dire que ce qui est bien avec Tahmkian et Jhin, c'est que tu peux jouer agressif en phase de lane. C'est, non seulement tu es difficile à aller chercher, tu as beaucoup d'utilité, tu scales correctement, tu peux bouger sur la carte, mais en plus, tu peux jouer agressif en phase de lane. Du coup, là, les G2 qui peuvent jouer agressif sur toutes les lanes, même sur le top side. Alors, Ryze qui, a priori, gagne les trades contre Aatrox, mais le problème, c'est que Ryze est très vite mais on le voit d'ailleurs. Du coup, il peut pas forcément hard push la lane autant qu'il le veut. Et Aatrox, là, qui prend un bon back. Déjà 6 CS d'avance en faveur de Perth sur la mid lane. Kuro qui est vraiment sous pression avec son pick de Galio. Et Yarnan et Wadid, pareil au niveau du bot qui enchaîne. Et Tussin ne peut pas vraiment intervenir, il le sait. S'il y va, ce sera la dévoration. Ou alors il s'empalerait sur le Tahmkench. Ouais, il ne peut pas vraiment approcher. Ils connaissent, je pense, la route de jungle de Spirit qui, à 3-5 cordes après son premier back, est forcément au Krux. Donc il doit savoir à peu près où il est. Là, Wunder, il faut qu'il fasse un peu attention. Heureusement, la wave est de... Ah non, elle n'est pas vraiment en train de vaincre. Elle n'est pas si bien que ça. Je pense que Yankos devrait aller sur le top side ou alors il va y avoir un gang sur Wunder. Donc Wunder qui sait qu'il est dans une position difficile. La wave qui est freeze contre lui, il est obligé de mettre une ward qui est ping directement. Alors, est-ce que par exemple, Spirit pourrait pas tenter un cheese gank en passant au travers de la river sur la fin du Scuttle Crab? Oh, mais il a donné l'information, Spirit, avec la plante. Spirit qui arrive sur cette mid lane. Les G2 savent que le jungler coréen est sur le haut de la carte. Ouais, de toute façon, en fait, ils le savent. Le problème, c'est que Wunder, soit il se zone complètement pour ne pas farm, soit il est obligé de ne pas vraiment respecter Spirit. Et c'est pour ça qu'Yankos est obligé. Voilà, c'est bien ce que fait Yankos. Il est obligé d'aller topside parce que, information ou pas, en fait, on ne pouvait pas farm du côté de Wunder. Et là, Yankos qui l'a pour... tout simplement prendre de l'information sur le Gragas et permettre à Wunder de hard push sa wave pour la faire bounce et derrière être plus safe sur son matchup. Attention le all-in là sur Yarnan. Late cette dévoration. Un peu late, oui. Yarnan qui a eu le temps de prendre quelques dégâts tout de même. Bon, le push est là en faveur des G2. Grosse pression sur Tussin et sur Kramer. Ouais. Et Perse qui est bien sur son matchup. Déjà à 16 d'avance. C'est normal avec une Cassio, on met beaucoup de rythme au début, surtout sur un Galio. Galio, il n'y a pas beaucoup d'outils. Et c'est bien ce que fait Wunder là. Le bon trade, on n'a plus de mana pour Keen. Keen qui n'a pas pris son TP encore. Non.
Est-ce qu'on aurait pas pu essayer de le dive avant qu'il TP? Comme ça, on l'empêche vraiment de trouver un bon timing. Il essaie d'aller chercher une arme de la DS, bien sûr. Alors, Jankowski est parti avec Wadid pour prendre de l'information dans la jungle. On voit que les Africatrix sont cadenassés là-dessus. Le respawn du Gromp qui était attendu. On aurait peut-être pu aller jouer, hein, ce Gromp. En plus, on a la prio du côté de Perks. Alors, on va avoir le respawn du Red Buff à 6.45 normalement. Donc, c'est peut-être quelque chose qu'on peut aller jouer chez les G2. Je me demande si c'est pas le prochain objectif des G2. De Jankos notamment après ce scuttle. Ouais, déjà scuttle pour le jungler des G2. Et bon, Kin a pris finalement ce back dont on parlait. Et Kin, hein, dont si vous ne le savez pas, il a été le joueur qui a vraiment popularisé Rise Top cette saison. C'est pas évident à jouer un Rise Top parce que certes, on est relativement dominant contre les match-up mêlés, mais donc on manque un peu de mana, on n'est pas non plus très tanky, donc on est très exposé au all-in. Et bien sur une longue lane comme ça, on peut facilement se faire gank. Un petit peu moins facilement, je dirais par exemple qu'un Swain, mais c'est quand même pas aussi safe que la mid lane. Alors, est-ce qu'on va aller chercher une invade éventuellement? Vous voyez 6.35, dans 10 secondes le red buff qui devrait respawn, et non. Les G2 qui vont pas tenter. Et c'est couvert en plus, hein. Il y a une ping qui vient d'être déposée par Spirit, il me semble. En tous les cas, ça semble difficile pour les G2 qui continuent à dominer leur match-up et à accumuler du farm tout simplement. La wave qui arrive ici. Après, il y avait le level 6 sur Galio, donc c'est peut-être un peu risqué quand même. On peut aller tenter par contre sur le prochain blue buff. Attention par contre, là, le trade qui a été amorcé sur la bot lane. Normalement, il n'y a aucun moyen que ça passe. Hein, un trade de la part des Africa Freaks. Et Wunder. Alors après, Wunder, il faut savoir qu'Aatrox, même s'il a l'air un peu plus low, il sustain, ce que ne fait pas vraiment Ryze. Ouais. Donc faut attendre simplement qu'il y ait moins de mana du côté de Kin. J'aimerais bien voir un petit peu d'agression dans cette early game côté G2 parce que on a toutes les lanes. Certes, on peut simplement creuser la différence en farm, ce que font beaucoup les G2. Mais on pourrait utiliser un petit peu plus la prio pour chercher quelque chose. Un dragon des nuages éventuellement, même si c'est pas le dragon qui fait le plus la différence en early game. Peut-être que l'arrivée du héros de la faille dans un tout petit peu plus de 2 minutes va faire bouger les choses du côté des G2. Il y a un blue buff à récupérer éventuellement dans une dizaine de secondes sur le bot side. Perse qui a mis un petit freeze, hein, sur la mid lane. On veut essayer toujours de creuser l'écart en farm. Mais bon, après un Galio, s'il est un peu derrière en farm, c'est pas dramatique non plus. Mais on veut absolument défendre le blue buff, j'ai l'impression, chez les Africa Freaks. On a pris le reset du coup sur le bot side pour être présent. Et du coup, Jankos qui vraiment capitalise pas énormément sur ses lanes, mais qui farme bien. Et pour une Camille, ça reste utile. Il va commencer à faire quelques dégâts quand même, Jankos, hein. Son ulti est disponible maintenant. Pareil du côté de Spirit, mais les Freaks de toute façon sont dans une situation beaucoup plus défensive dans cette early game, qui attendent de voir venir et qui essaient d'avoir les infos sur les différents mouvements des G2 eSports. Ouais, on est plutôt défensif pour les Africa Freaks, mais on va scale sur le Ryze, on va scale sur la Kai'Sa. Encore une fois, je dirais que c'est pas une gamme qui est forcément one-sided en termes de scaling, hein, parce qu'il y a du scaling des deux côtés, et deux équipes finalement sont assez contentes, je pense, de scale vers le mid-late game. Et d'attendre vraiment d'avoir les outils de sa composition pour accélérer. Et c'est vraiment vers 20 minutes, je pense qu'on va avoir beaucoup d'action. Mais les G2 pourraient tenter quelque chose. Quelque chose qui serait aussi intéressant, ce serait d'essayer de forcer autour de cette botlane avec la Camille. Push une dernière fois cette botlane et ensuite mettre un ulti sur la mid-lane avec Tamkech. Attention par contre, un dive potentiel. Wunder n'a pas de TP. Galio arrive. Galio est là. Sur le timing blue buff, c'est très très mauvais ça pour les G2. Yannan qui essaie de s'en sortir. C'est compliqué pour Yannan qui va tomber. First Blood et Second Blood même pour les Africa Freaks qui exécutent parfaitement leur dive sur la bot lane. Et les G2 eSports n'ont pas du tout pu réagir. Non, superbement joué côté Freaks. Ouais, grosse erreur de la part des G2. Hein. Il faut faire très attention sur cette timing en blue side où on va chercher le blue buff sur une bot lane qui se fait push parce qu'il n'y a vraiment aucun counter play à ce move. On donne une priorité gratuite sur la mid lane pendant une wave au Galio pendant qu'on va chercher le blue buff. Et du coup, si on s'est fait push bot, et ben c'est un dive automatique, surtout avec un Galio. Grosse erreur des G2 et de Jankos qui aurait dû être à la défense de cette wave. C'est pour ça que je parlais de passer par la bot lane parce qu'il faut donner de l'air un peu à cette bot lane pour leur permettre ensuite de mettre la pression indirectement en cross map avec l'ulti de Tamkench. Et ensuite, on peut aller chercher le blue buff du côté de Persu qui a une lame de la DS, il peut se débrouiller un peu tout seul. Dommage pour les G2 et du coup, avantage pour récupérer par les Freaks qui n'en avaient pas vraiment besoin. Heureusement, la Kai'Sa ne prend pas de kill. Ouais, pas de kill pour Kai'Sa, mais elle a pu revenir au farm. Hein. Kramer qui était quand même distancé de 10-15 CS, il a pu remonter. Et du coup, les Africa Freaks qui portent le premier coup dans ce match. C'est vrai, un Jankos qui n'a pas trouvé de gank vraiment encore dans cette rencontre.
Pourtant, Camille est vraiment un champion superbe pour ça. Alors attention, là, il y a un avantage au téléport. Hein, donc, vous pouvez à tout moment utiliser un TP d'Aatrox si jamais les Afrikafrix venaient à défendre cette tourelle. On a la vision sur Aatrox, on ne veut pas le cancel encore. Le TP qui va être claqué de la part du Gago, il me semble, mais ça va pas être suffisamment tôt. Loupé pour les Afrikafrix. Bonne réponse G2 ici. Et du coup, ils prennent la première tour, la tour qui n'avait pas été. Il me semble. Non, elle est tombée, d'accord. La première tour. Okay. Non, elle n'est pas tombée, celle du bot. Elle n'est pas tombée, c'est marrant parce qu'elle est grise, j'ai l'impression que. Ouais, maintenant regarde le compteur de tour en haut. Ouais, effectivement. Un bug spectateur. Et ouais, donc la première tour pour les G2, ça les met bien, ça leur permet de rattraper un peu l'écart en goal. Alors est-ce qu'on va tenter un swap? Maintenant, on pourrait directement aller sur le top side. Ce qu'on peut faire aussi, c'est revenir bot, push une wave, prendre le dragon, et ensuite à la limite pour menacer d'un ultimate avec Tamken. Je pense que c'est presque ce qui est le plus intéressant là-dessus. Surtout qu'on bénéficie encore pendant une trentaine de secondes de l'avantage en téléport de Wunder. Donc, pourquoi pas essayer de forcer un nouveau fight sur le bot side. On va voir hein, les G2 qui se mettent en place. Wunder qui trade ici face à Keen. Keen au bout de sa barre de mana, comme d'habitude. Dans ce match-up, là, Wunder qui a l'usure force les backs de Keen. Et là, on est de retour du côté de Tussin et de Kramer. Yarnan et Wadid qui peuvent passer dans le dos avec un ulti Tamkench, mais ils ont pas. Ils ont l'information sur le Gragas, par exemple. Je suis pas sûr. Le Galio qui back. Là, dans tous les cas, la duolaine des Freaks qui s'en va. Le Herald est arrivé maintenant, ouais. Duke. Donc, qu'est-ce qu'on va faire du côté G2? Est-ce qu'on va tenter de forcer encore un peu pour passer dans le dos du duo des Afrikafrix, ou est-ce qu'on va faire un swap pour tenter d'aller jouer ce Herald? Ils vont swap dans deux waves, les G2. Après, la question, c'est est-ce qu'ils swap en faisant un reset, ou alors est-ce qu'ils swap après un Drake? Je pense qu'il pourrait être intéressant de faire le Drake, la push ces deux waves, aller faire le Drake, éventuellement repush une autre wave pour mettre de la pression sur la botlane Afrikafrix, aller sur la midlane et tenter un swap sur le top side. Mais normalement, il devrait décaler pour le Drake maintenant. On a la pression sur la midlane. C'est gratuit, hein, normalement. Ils sont même pas obligés d'ailleurs de jouer pour le drag. S'ils veulent vraiment jouer très rapidement pour la tourelle topside, ils peuvent retourner directement vers la top lane. Ouais, là, on se presse pas. Quand même leur disposition autour de ce dragon, on a. Non, ils font rien. Ouais. Là, ils sont un petit peu lents. Je pense que le drag aurait dû être entamé déjà. Ah, il y a maintenant le TP qui est revenu hein, du côté de Keen, donc faut faire un petit peu attention. Sur le Histar Tussin. Il est au contact quasiment de Yankos. Spirit qui pourrait lancer son action. Se couler d'étranglement pour écouter cher au G2 eSport. C'est le fat Yarnan qui est forcé de flash out face à la menace du stun. Le Gragas est squishy et c'est la top watch du côté de Spirit pour tenter d'outplay et de gagner du temps. Wunder de son côté qui en solo gère trois joueurs d'Afrikafrix. Wunder qui enchaîne avec le bombardement massif de Yarnan dans le dos. Ouais, c'était pas terrible cette prise de fight de la part des G2. On a un peu piétiné avant de commencer le Drake. Finalement, ça passe avec le Gragas. C'est encore très très squishy avec son écho runique. Et qui a perdu sa stopwatch. C'est un point important quand même. Effectivement, la stopwatch qui est vraiment intéressante pour le Gragas. Et du coup, le Drake finalement récupéré. Et on va pouvoir amorcer le swap forcé finalement parce que Aatrox. J'ai bien aimé la Tussin qui a été intelligent, qui a attendu le bon moment. Et dans cet endroit, Yarnan était vraiment forcé de flash s'il voulait survivre. Spirit. Qui stopwatch, qui tente de mettre des dégâts en side, mais finalement un peu esselé, je pense qu'il à contre-coeur il recule finalement et les Afrikafrix qui perdent ce Gragas, ce dragon et les G2 eSports qui sont devant pour l'instant. Swap engagé, Duke. Ouais, c'est bon, maintenant les G2 qui vont pouvoir jouer pour la tourelle topside. On a l'ultimate d'une Tamkench, deux disponibles éventuellement pour aller collab sur le Galio. Ce qui peut être intéressant aussi, c'est de jouer, ne pas jouer pour la tourelle top side, simplement utiliser la Priomide pour ce qu'on appelle fog vers le top side, c'est-à-dire disparaître, mettre de la pression indirecte sur la duo lane des Afrikafrix, et en fait, ça rush le Drake, le Herald à la place, et du coup, en fait, on fixe l'Afrikafrix sur le top side par une pression invisible, et ensuite on décale vers la mid lane avec le Tamkench. Je verrais bien les G2 peut-être tenter un play de ce genre. Wunder qui est bien dans son match-up. Il peut mettre de la pression un peu sur le Ryze hein, avec un all-in, je pense qu'à partir du coup près noir notamment. Mais à vers deux items, le Ryze qui devrait être intouchable normalement, je pense, contre le Aatrox. Yarnan, Wadid qui sont lancés au niveau de cette top lane. Kramer et Tin sont là. Cette tour qui a quand même pris quelques dégâts déjà. Ouais. Sur une... Attention, bot lane, il y a le décalage du Galio de Kuro. Wunder sera pas facile à tuer. Il a son flash. L'ulti n'est pas là encore. Non. Et Perse qui doit s'empresser hein, de continuer à imprimer ce rythme sur Kuro. Il a 36 d'avance, Perse. Il ne lâche rien. Kuro doit reculer. Il doit respecter la priorité de cette Cassiopeia. TP Kench, oh, ça peut être fini ça. Ouais, Wadid a fait un back TP avec son,
son spellbook simplement pour refresh ses wards. Attention, hein, les Africa Freaks ils sont juste à côté. Et voilà, jouer pour le Herald, c'est peut-être le plus intéressant, mais je pense pas forcément que ce soit un bon timing là, de la part de Niankos. La pink est là. Bah oui, il y a toujours. Ils ont eu l'info, les Freaks. Est-ce que c'est bien préparé côté G2? Ça n'a pas l'air. Ça n'a pas l'air, et les Freaks... Perk zone très bien, mais il pourrait y avoir un fight là-dessus. On voit que le Ryze est en retard par rapport au Yatrox de Wonder. Donc là, les G2 ils sont peut-être contents de forcer un fight, l'arrivée de Wonder juste derrière, mais le... C'est pour les Freaks, Spirit qui s'avance. Allez, le fight. Spirit qui est prêt à tomber pour ça, Spirit qui va tomber dans ce fight, mais Yankos également. Et là, attention à Keen sur le côté, face à Wadid, face à Wonder, face à Yarnan. Les G2 Esports pour ce temps-là, qui est en solo, c'est Perks. C'est Perks qui était parti en solo sur cette top lane. Je sais pas ce qui s'est passé. Keen et Perks se sont perdus chacun de leur côté. Malheureusement, on n'arrive pas à choper Keen du côté des G2. Et Perks qui est 4 sur le top side. Malheureusement, les G2 qui ont forcé un petit peu cette errade sans vraiment une bonne préparation en termes de push, de wave et de synchronisation. On avait certes le premier roam de Wonder, mais derrière, c'était suivi par un ultimate de Ryze. Dommage de la part de l'équipe européenne qui laisse un peu filer cette phase de jeu. On est obligé d'ultimate vers la top side pour avoir cette wave. Dommage. G2, il faut être plus propre là, il faut essayer d'utiliser un peu plus la prio des lane. Regardez, on est vraiment en mesure de contester du côté des Freaks. Perks qu'ils ont très très bien Kuro, mais qu'ils ont tellement bien Kuro qu'ils s'enflamment complètement. Ouais, il l'a suivi jusqu'en haut. Wonder au début voulait suivre le même chemin et finalement il décide de rejoindre la mêlée générale avec Yarnan et Wadid. Ouais, qui a bien trop loin, il a flash ici, Kuro qui répond parfaitement. D'accord, c'était l'élément d'action qu'on n'avait pas vu. Perks qui a voulu en faire trop. Dommage pour les G2 Esports vraiment sur cette phase de jeu. Alors, est-ce qu'ils sont plus équipés? Ouais, ils ont récupéré le Herald. Oui, ils l'ont eu. Parce que c'est, en plus, c'était pas évident de récupérer le Herald pendant le fight, mais on s'en sort du côté de Spirit. Et ça, c'est vraiment pas une bonne nouvelle pour les G2. C'était si free cette early game s'ils avaient respecté un peu les étapes. Et du coup, eh bien, ça donne un nouvel outil pour les Africa Freaks d'ouvrir cette map. Bon, il y a encore tout à fait le moyen. Ils devraient quand même avoir la prio mid, toujours la prio top. En plus, on récupère un blue buff du côté de Perse. On a le TP qui revient bientôt pour Wonder. Il faut forcer quelque chose avec ce time catch. Le Herald sur cette mid lane. Ils sont nombreux, les Africa Freaks. Donc, Keen a fait le déplacement et Wonder est stuck sur cette bot lane. On va le voir donner cette tourelle, je pense. À mon avis, là, il faut trade avec le top side. Il faut que Yarnan bouche très très rapidement. Il y est, mais c'est déjà en train de remonter du côté d'Africa Freaks. À la charge de nouveau du Herald. G2 qui concède pas mal sur cette phase de jeu. Dommage vraiment ce Herald. Ouais. Bon, on fait perdre un petit peu de farm sur le top side. La tour qui doit vraiment être très très low hein, pour les Africa Freaks. La tour est le top. Mais bon, la mid lane qui a été débloquée par l'équipe coréenne. Et ça, c'est très très important. Alors, Wonder, cette fois qui décale à son tour. Keen qui avait eu la prio sur la wave précédente. On va aller essayer de clear un peu de vision. On se déporte vers le top side avec toute l'équipe G2. Il faut mettre absolument de la pression sur les deux prochaines waves sur la tour L top. On pourrait par exemple imaginer un stack de deux waves. On stack un petit peu plus lentement les waves pour pouvoir dive. Et Wonder qui est de retour sur la bot lane. Pas très décisif, je trouve, les G2 dans cette early game. Ah, ils n'ont pas réussi à faire aussi bien que d'habitude. Je te rejoins. Ils auraient pu être un bon 2000 gold d'avance, à mon avis, 2-3000 gold. Mais on n'y est pas du tout. Pour l'instant, les Freaks sont au contact. Et les Freaks qui swappent. Les Freaks qui swappent, qui savent que cette tourelle est tombée. Et du coup, qui veulent jouer pour le Drake dans 30 secondes. Ils ont abandonné, très intelligent de la part des Freaks. Ils savent qu'ils perdraient tout simplement du temps à s'occuper de cette tour. Maintenant, les G2 qui vont devoir reset, revenir sur la carte. Pendant que les Freaks ont tout le loisir de prendre de la vision. On voit, c'est directement ce qu'est en train de faire Fusine autour de ce Drake pour pouvoir le jouer dans les meilleures conditions. En plus, on va pouvoir push. Et les G2 qui forcent. Les G2 qui, voilà, ils se disent, ok. En fait, on est foutu pour ce Drake. Peut-être qu'on peut essayer de push la top lane. Je pense pas que ce soit une bonne idée. Ouais, ils sont obligés. Mais on pourrait imaginer un cross map là-dessus. Ouais, les Freaks sont en position pour l'instant. La vision est coréenne autour de ce dragon. Ouais, tu signes, il a vu que les G2 étaient restés pour une wave de trop sur la top lane. Du coup, non seulement il a pris la vision, mais en plus il a reset pour refresh ses wards. Et ce qui est très important, bon, ça c'est quelque chose qu'on voit pas du tout en tant que spectateur, entre guillemets. Mais le nombre de wards qu'on a disponible est très important. Et il faut parfois, en tant que support, trouver des fenêtres de tir ou quand est-ce qu'on peut recall sans que ça gêne trop les déplacements sur la map. Et là, il a eu un recall gratuit. Donc ils ont toute la vision, plus une size stone. Enfin, chargée. Une size stone chargée, une pierre de vision. Donc deux fois la vision des G2. Exactement. Mais les G2 par contre ils sont bien groupés. On a complètement délaissé le top side en fait. On s'est dit bon, si on veut ce Drake, on est obligé de se grouper à 5 pour contester la vision une nouvelle fois. Mais le Ryze de Keen qui a un téléport. Là il faut le prendre maintenant ce Drake parce que sinon on perd la tourelle et on donne un téléport pour
gratuitement, mais attention, oh, Perks, là, Tussin qui s'avance, mais il n'est pas vraiment suivi. Les G2 Esports qui sécurisent finalement ce dragon au prix de cette T1 top. Il y a un ulti qui est parti hein, du côté de Spirit. On a tenté de mettre un ulti sur Perks sur le coin de l'écran, il me semble. L'ulti qui est en cooldown. Et du coup, les G2 qui sacrifient leur tourelle top pour prendre le Drake. Est-ce que c'est worth? Peut-être, parce qu'ils ont pour le coup un baron très rapide. Alors, J n'est pas le meilleur AD carry, mais Cassio. Cassio est très fort dans ce domaine. Ouf. Oh, elle fait mal la grenade. Ouais. Alors, la grenade après 3 kills de minion. Fait très mal. Ouais. Et bon, les G2. Les G2 maintenant qui arrivent à ce fameux timing du baron Nashor et qui n'ont pas les mêmes atouts non plus que sur les. Enfin, ils sont pas dans une situation où Wunder a un pur match-up sur lequel il est censé capitaliser et snowball en split push. Donc comment faire dans cette situation pour les G2? On l'a dit, ils ont ce Tahm Kench qui peut venir aider en side lane, ils ont également cette Camille qui est mobile. Quelle serait la meilleure solution ici? Je pense que le Jankos doit jouer autour de Perse comme il est en train de le faire, parce que Perse c'est celui qui va finalement avoir le plus de pression en 1v1, mais du coup qui pourrait être ciblé par un 2v1 de la part de Afrique Afrix avec Gragas. Et du coup Jankos, à partir du moment où il est autour de Perse, il n'y a aucune chance qu'il perde de ce côté là de la carte. Et à partir de là, il dit attention par contre le go-in, mais c'est pas mal fait, la dévoration, le flash de la part de Wadid. Et un outil qui avait été claqué de la part de Kina. Il faut push. Wunder, il faut push. Allez. Il faut push. On push les double sides. Et on rentre sur la mid lane. Cette tourelle mid doit tomber dans 30 secondes. Allez, les Africa Freeze qui doivent reculer ici. Les G2 Esports qui prennent le contrôle de la carte sur ce plays des. Les G2 qui prennent le contrôle de la carte sur ce plays des Africa Freeze. Et cette tour mid pour l'instant uniquement défendue par le Gragas qui n'a plus d'ulti. Ah, il faudrait plus de flash, Spirit. Il faut bouger plus vite les G2 sur la carte. Hein. Cette tourelle, elle est gratuite. Voilà, on commence à faire le déplacement. On va arriver à 5 sur la mid lane. La tourelle qui devrait tomber. On va essayer de zone du côté de la. C'est bien. Voilà, c'est bien. C'est intelligent. Le poison. Wunder qui met ses dégâts également. Les G2 sont aux portes de la tourelle, mais ils n'arrivent pas à la sécuriser. Ouais, cette wave était un peu trop courte. Elle a été clear par les Freaks. Ouais, un peu dommage. Mais bon, on peut encore rester une wave. Hein, parce qu'on est, reste assez push sur les sides du côté d'Africa Freaks. Qui a fait le déplacement? Voilà, on va pouvoir la prendre a priori. Est-ce qu'on a un flash du côté de Tussin? Non, on a pour l'utiliser au fight précédent. Attention, avec ce flash quand même à travers le mur. C'est sécurisé pour les G2. 3 tours à 2. Et un petit 1000 gold d'avance. Bon, qui change pas grand chose à la donne. Mais. Ça ouvre la map. Ça ouvre la map, cette tourelle. Et maintenant, Wunder qui va rester sur la tête. Donc, encore une fois, le plan de jeu, rester autour de la Cassiopeia. Et ensuite, on utilise. Soit cette priorité pour revenir sur la mid lane, on peut aussi forcer des failles du côté de la Cassio et être les plus rapides grâce à cet ultimate de Tahm Kench. Ou alors, si on se fait collapse dessus par le reste de l'équipe d'Africa Freaks, eh bien on peut utiliser l'ulti de Tahm Kench pour aller punir du côté du Aatrox. Ryze étant quand même une cible, je dirais pas facile à attraper, mais c'est jouable. Puis Aatrox a de quoi cancel normalement un ulti Ryze. Donc dans l'idée, G2 a les armes. Puis avec cette Yumu, tu peux facilement atteindre le corps à corps. Kin peut être une bonne proie. Et du côté des Freaks, finalement, on cherche toujours ce scaling. Il y a deux items du côté de la Kai'Sa, ouais. Quand même. Ils ont toujours un combo magique avec un Alistar et un Galio. Ils ont cette possibilité pour le Ryze Split. Mais il faut absolument défendre cette vision que peuvent poser les G2 pour menacer Wunder. Ouais, c'est compliqué pour les Africa Freaks parce qu'ils n'ont pas vraiment de combo avec Galio. En plus, le Galio qui est un peu cantonné à la top lane, parce que si on met la bot lane top et Galio mid, ils vont avoir aucune possibilité de contester la wave mid. Du coup, Galio qui ne peut pas ulti défensivement le Ryze, qui de toute façon ne peut pas faire d'ulti agressif. Et les Africa Freaks doivent chercher de l'engage soit sur un side, soit sur la mid lane. Le problème, c'est que Tahm Kench est très difficile à engage. Donc, du moment que Wadid utilise son flash uniquement quand Tussin a son flash, ça devrait être jouable pour les G2. Donc, les Africa Freaks doivent trouver l'engage, notamment autour de la mid lane, au G2, de rester défensif de ce côté-là. Ouais, les Freaks cantonnés dans leur partie de la carte. Ah, Jankos toujours à côté de Perse. Hein. On farm quand Perse n'est pas là. Et dès que Perse est sur sa lane, on reste autour de lui. On lui permet de push. Alors on sert simplement quasiment de ward mobile hein, du côté de Jankos. Et éventuellement d'engage si Galio se retrouverait tout seul, tout simplement sur le side. Mais une fois qu'on a push cette wave, il va falloir peut-être aller chercher de la vision un petit peu plus en profondeur dans la jungle des Africa Freaks. En plus, on a Wunder qui se rend disponible près de la duo lane des G2. Là, c'est peut-être le moment d'aller attaquer un petit peu la jungle des Africa Freaks. Ouais, Wunder, Yarnan et Wadid sont présents sur cette mid lane. Wunder a pu faire le déplacement. G2 qui décident de lancer un baron. Ils ont une pink ward. Tussin qui arrive justement pour reprendre la vision. Il y a encore ce qui a pris beaucoup de dégâts ici.
Du côté des G2, c'était Ballsy. Ouais. Côté européen. C'est un peu tôt. Alors certes, ils ont beaucoup de dégâts pour le faire. Ils n'ont pas de tanking et par contre ils ont un dragon des montagnes. Donc ils peuvent le faire vite, mais le problème c'est qu'il faut qu'ils aient un petit peu plus de temps quand même. Et ce temps il peut être gagné justement avec de la vision en profondeur dans la jungle pour voir quand ils arrivent et donner plus de chemin à faire aux Africa Freaks pour venir check. Et c'est ça qui leur manque. Là j'ai l'impression qu'ils oublient un peu les étapes dans cette partie, les G2. Peut-être 13 de la victoire. Ah, je sais pas. Ah, c'est sûr que la situation est. Voilà, ils jouent leur place en quart, hein, les G2 pour pas. Pas exactement sur ce match. S'ils le gagnent, ils sont en quart. S'ils ne le gagnent pas, c'est un tie-break. J'espère qu'ils n'ont pas pris trop les conseils de Yamato au pied de la lettre, parce qu'il leur a dit de jouer leur style de jeu, mais il leur a pas dit de jouer le style de Vitality. Les G2 ne doivent pas, n'ont pas du tout le même style, n'ont pas du tout les mêmes drafts que Vitality. Et du coup, ils ne peuvent pas se permettre de forcer autant de moves comme ça. Il faut plus de préparation. Attention, par contre, le go-in de la part de Tucine et l'ultimate du côté de Kramer. Yankos qui peut se repositionner. Les Freaks qui prennent le flash tout de même du jungler des G2. Mais qui peuvent pas faire grand chose de plus. Ils essaient d'être créatifs sur les catchs, les Freaks. G2 qui avait un peu abandonné la position autour du baron après cette première tentative. Et Freaks qui essaie de créer à partir de là. Ils sont malins, les Coréens. Ouais, c'est, on utilise vraiment. En fait, on doit tout le temps utiliser les cooldowns de flash de la part de Tucine. Et là, de X-Flash en l'occurrence. Le X-Flash qui est un spell super intéressant. Quand on l'utilise bien, je pense par exemple, Lissang a toujours des bonnes utilisations. Mickey X, excellent avec son X-Flash. Et du coup là c'est vraiment entre les mains de Tucine, je pense, cette game du côté Afrique. On trouve le catch sur Yankos et on peut avancer un peu la vision. J'ai hâte que les G2 réussissent un peu à avancer plus dans la jungle des Afrique. Ouais. Et Perks, hein. Perks qui doit continuer dans ce match. Lui qui n'a jamais passé les phases de poule des Worlds. C'est vrai. Il n'a jamais passé les phases de poule. Voilà, les G2, enfin, si on n'a pas suffisamment push le topside, il faut essayer de prendre la vision là-dessus. On prend pas une vision très très deep, mais au moins on s'assure qu'il n'y a rien du côté des Africa Freaks. Donc ils vont tenter le baron directement, forcément, avec le running de Wunder. Ils le savent, hein, l'Africa Freaks, pas de Z du côté de Tucine. Ah, ça peut aller très vite quand même, hein. Attention là, du côté de Wunder, peut-être calcul l'ultimate, Kuro qui n'a plus de charge. Est-ce que ça peut passer? Ça va être blind, c'est un 50-50. Oh, Spirit qui tente, incroyable! C'est Wadid, je pense qu'il avait un smash, je n'ai pas vérifié, mais j'imagine. Quel knock-up du côté de Sin, on tente de combiner avec Wunder. Le Galio de Kuro. Wunder qui gagne autant de temps que possible et Kramer qui se projette dans la backlane. Les G2 qui tentent de disengage massivement, mais il reste Perks qui sécurise ce double kill en compagnie de Wadid. Attention, peut-être au débarquement de Kin. Wunder qui TP à la base, qui veut conserver ce baron achetant. Perks qui va tomber. Les G2 eSports concèdent ce teamfight. Ah, mais les G2 eSports qui récupèrent le baron achetant et ils ont un buff pour faire la différence. C'était pas très propre encore une fois de la part des G2. Qui change Wadid? Ouais, Wadid qui doit. Je pense que de toute façon on le voit pas sur le spectateur. Il a certainement un smite, on va voir. De toute façon, je crois que c'est du smite. Je crois que c'est un smite. En tout cas, les G2 qui récupèrent le baron derrière sur une position catastrophique pour fight. Nature Kramer qui fait un énorme boulot et superbe combo de la part de Tucine. Et d'ailleurs, on zone du côté de Kuro Kramer qui s'arrête sur le taunt de Kuro Kramer qui, à l'instant où le taunt part, Kramer passe dans le dos de Yarnan. Ouais. C'est super bien joué du côté des Freaks. Ouais, c'était dur, hein, de la part des G2, mais les G2 qui forcent trop, je trouve. Alors certes, ils ont du DPS pour le dasher, certes, ils ont ce dragon des montagnes, mais ils ont tous les moyens pour le faire de manière un petit peu plus propre et sans risque. Eux qui nous ont montré de telles belles phases macro pendant le reste des groupes. C'est peut-être la pression, comme tu le dis. Bah, je pense, hein, encore une fois, on est si proche de ce quart de finale du côté des G2. Allez, c'est Wadid qui embarque directement Yarnan dans sa poche. Wunder. Enfin. Wunder avec ce buff baron qui peut proposer des choses aux G2 eSports qui progressent sur cette top lane. Ouais, enfin les G2 qui font une petite time catch pour accélérer le jeu, au moins quitte à pas aller chercher des catchs, simplement accélérer les rotations. On va pouvoir taper cette tour-là, le buff de Wunder qui fait la différence. Spirit. Il a un ulti Spirit. Et pendant ce temps-là, on est déjà sur la mid lane, hein, du côté de Perks. Attention, on n'aura pas trop fait échec là-dessus. Yankos qui est en train de récupérer le Red Buff, en tête le donner à Yarnan. Quoique, non, si, voilà, c'est bon. Et maintenant, on se concentre sur cette mid lane. Wunder qui est venu appliquer le buff. Wunder, le porte-étendard, le seul détenteur de ce buff baron. Il est si important, Duke. C'est une nouvelle T2 en faveur des G2 eSports. Reste celle de la bot lane, mais la wave est loin d'être préparée pour l'instant du côté des G2. Ouais, mais bon, c'est quand même ils ont un canon, ils comptent peut-être forcer dessus un peu. Ouais, et il y a un gros slow push, j'ai l'impression, sur la bot lane. Ça arrive, mais ça va être long à remonter. Ça va quand même mettre, je pense,
Je pense qu'à 31 minutes 15 à peu près, ça devrait être sur la T2 des Africa Freaks. Donc on a un peu le temps, les G2 qui doivent peut-être temporiser deux waves sur cette Tussin. Oh, Tussin, le X-Flash. Il a tenté de passer dans le dos des G2, hors de la ligne de vision européenne. Tandis que cette wave continue à grossir bot. Ouais. Il faut tempo, les G2, il faut absolument réussir à utiliser cette wave. Alors est-ce qu'ils auront encore le Nashor? Ça semble un peu juste. Hein. Ouais. Ça semble peut-être un petit peu juste. On va back. Alors peut-être ce qu'il va faire là, il pourrait aller lui-même botlane en fait, tout simplement, aller buff cette wave. Pour accélérer le process, aller plus vite sur cette tourelle et les G2 qui sont déjà en train de contrôler cette jungle, mais plus de ward, j'en parlais tout à l'heure du nombre de wards disponibles, plus de ward du côté de Wadid. Et on va accélérer la prise, le push de cette tourelle. Il back, on va aller chercher ses wards pour le support. Ah, il s'arrête là. Ils auraient pu peut-être faire un back un petit peu plus en amont justement pour charger des wards et pour laisser cette wave slow push. On voit qu'il devrait bientôt arriver sur cette tourelle et tout simplement essayer de la récupérer. Allez, G2, il faut continuer à y croire, il faut continuer à augmenter le niveau de jeu dans ce match. Africa Freaks, c'est un client difficile qui ne lâchera rien jusqu'à la dernière seconde. Ils ont vécu des grosses déceptions, les Freaks, cette année. Ils ont perdu une finale au Spring contre les Kings and Dragon X. Ils ont perdu contre les Griffins aux portes de la finale face aux KT Rollsters au Summer. Et finalement, ils ont pu accéder aux Worlds. Ouais. Et c'est une équipe, encore une fois, redoutable, qui s'est énormément entraînée, qui a changé quasiment la méta de l'entraînement en Corée cette année. Bah, ils ont... Juste y continuer les scrims de nuit. Ah quoi. Oui. Ouais, c'est quelque chose que moi je ne conseillerais pas en Europe. Hein. Je vois pas comment on peut faire ça en Europe. Push encore plus loin. Je suis pas sûr que ce soit constructif, c'est mais en tout cas, si ça marche dire, pour mais... eux, tant mieux pour eux. Et du coup, les G2 qui utilisent beaucoup les roams de Wunder. En fait, on a complètement abandonné l'idée, j'ai l'impression, de split sur ce Ryze. On joue plus sur le roaming. On fait des décales, cette T3 qui pourrait tomber. Attention tout de même à la réaction Freaks. Tussin en fer de lance, on sait de quoi il est capable. Le support des Freaks, un des joueurs les plus underrated du monde sans doute à son poste. Mais ouais, quel talent, lui qui était passé par un poste de coach il y a 2 ans, ah qui oui est revenu finalement. Ouais, il était parti coach, c'était le coach des Rebels Anarchy, etc. D'accord. Et il est revenu après au plus haut niveau. Et honnêtement, moi je te dis, il y a 3 ans, je le commentais, il sortait des Lee Sin support et je me foutais allègrement de lui parce que ça marchait pas. Hein. Il jouait Irelia et Lee Sin support à certains moments, mais monsieur maintenant, ouais, monsieur, là, rien à dire. Il a vraiment vraiment bien progressé, j'imagine que il a dû travailler salement. Et du coup, on a renvoyé Wunder sur le bot side du côté G2. Alors, quelle est la prochaine objectif de G2? A priori, c'est la T2 botlane. C'est ça qu'il faut aller viser normalement. Donc pourquoi pas, maintenant qu'on a fixé ce Galio sur le top side, essayer d'aller faire une rotation rapide vers le Aatrox de Wunder. Bon, après, il y a un TP sur Galio, mais si on est suffisamment rapide, ça pourrait peut-être passer. Ça y est, Wunder qui se met en place. Et les Freaks toujours sous pression. Je pense que l'enjeu crispe un peu, ouais, à mon avis. Certainement. Certainement. Alors on a un gros slow push sur le top side. Les G2 qui peuvent tout simplement le laisser push pour l'instant, parce que de toute façon on va rebasculer vers la top lane pour jouer le Nashor. Là il faut vraiment essayer de récupérer cette tour maintenant, parce qu'après on pourra plus permettre d'aller autant vers le bot side quand le baron sera up dans 40 secondes. Oula, Spirit là qui s'enflamme peut-être un petit peu. Est-ce qu'on peut le Z là avec le dommage, c'est un bon side step, ouais, du côté de Spirit. Bien joué Spirit. Parce que là, s'il se fait cash maintenant, c'est compliqué hein, pour l'Africa Freaks. Mais finalement, cette tourelle va tomber grâce au contrôle de la mid lane. Mais il faut pas aller trop loin. Hein. Je pense pas qu'on puisse aller trop loin. Parce que du coup, l'Africa Freaks, ils vont pouvoir chercher un flank si on décide d'aller chercher cette tourelle d'inhibiteur. On prend un reset correct et derrière, on joue pour le Nashor. Nashor dans 10 secondes d'ailleurs. Voilà, les G2 ont la position. Attention, peut-être un catch sur Wadid. S'il perdait son flash, ça pourrait être extrêmement embêtant. Mais sereinement, les G2 se retirent ici et on va pouvoir préparer ce baron Nashor, Duke. Ouais, on va pouvoir le préparer, mais les Africa Freaks sont là les premiers. Ouais. Il reste plus beaucoup de wards, cela dit, du côté de Tussin. Alors on a mis des wards assez deep,
pour essayer de gêner l'avancée des G2. Ah, les Africa Freaks qui contrôlent bien ça, par contre, pas énormément de pink. Ils vont se faire push mid, les Africa Freaks tout de même. Ouais, ils ont pas de pink en plus. Attention, Wunder. Kuro qui était passé dans le dos, Wunder, mets ton ulti, je t'en supplie, mets ton ulti. Dommage, il tombe ici, et les G2 Esports qui doivent faire attention à cette position. Ça peut être extrêmement dangereux, les Freaks qui tentent de leur barrer le chemin de la retraite. On clear la wave mid du côté G2. Il faut s'en aller. Ouais, là, ce qu'ils peuvent faire, le baron reste difficile à gérer pour l'Africa Freaks et les G2, sinon ils peuvent peut-être tenter d'aller chercher la wave botside pour menacer l'inhibiteur. En 5v4, c'est pas évident quand même pour l'Africa Freaks de gérer ce baron, et s'il tarde trop, il y a un TP du côté de Wunder. Donc les G2, c'est bien ce qu'ils font, on scout à l'ultimate de Jhin et on continue de garder la priorité mid. C'est très très serré ce que sont en train de tenter les G2. Les Africa Freaks qui ont entamé ce baron, mais ils veulent turn. Les Africa Freaks qui veulent turn sur les G2. Attention, Spirit là qui est venu. 9000 points de vie, ça va vite. Cette Kai'Sa qui met d'énormes dégâts. Yankos qui pourrait tenter ce style, mais ça devrait passer pour les Africa Freaks qui sécurise ce baron. Kuro dans le dos. Les G2 ils portent, qui craque ici. Kramer qui se projette directement, et Kramer qui fait des trous dans la backlane des G2 Esports. Les G2 qui craque sur cette phase de jeu, et l'intelligence de Kuro qui était allé se glisser dans ce buisson. Ah, c'était très sneaky mais très bien joué de la part des Africa Freaks. Wunder qui meurt sans pouvoir utiliser l'ulti, que c'est dommage. Après c'était compliqué, mais ils auraient dû savoir qu'ils s'étaient attardés un petit peu trop botlane. Les Africa Freaks qui n'ont pas reset, qui ont directement pris la vision. Bien joué. Derrière les G2, et les G2 du coup qui étaient en terrain miné dans leur propre jungle. Les Africa Freaks là qui essaient tout simplement de les bait, soit pour faire un flash-in en flanking avec Kuro s'ils se livrent, et sinon prendre le Nashor. Superbement bien joué de la part des Coréens. Ouais, Kramer qui n'hésite pas, c'est lui qui sert de rampe de lancement à son Galio. Il y va, il a les items, il met les dégâts. Triple kill en faveur de Kramer. Et là c'est le push hein, du côté des Freeze qui reprennent complètement le contrôle du match. Duke. Ouais, ça va être très dur parce que quand on a une compo 1-3-1 contre une compo teamfight, si la compo teamfight prend le Nashor, on peut se faire bus tout simplement. Et c'est ce que sont en train de faire les Africa Freeze. On prend le dragon des montagnes, tant qu'à faire, pourquoi pas. Et là l'inhibiteur mid qui est ouvert. Après l'inhibiteur mid, bon on s'en fout un peu, il faut simplement pas perdre d'inhibiteur en side. Et là ce serait catastrophique pour les G2. Voilà, là, cette T2 va tomber hein, dans tous les cas. Est-ce que les G2 peuvent stopper la progression Freaks, faire un pic à un moment ou à un autre? Kuro toujours qui a décidé d'établir sa résidence dans ses buissons, et ça coûte cher aux G2, deux fois d'affilée de la part de Kuro. Il réussit son coup. Super, il trappe ses G2. Super intelligent Kuro, toujours au bon endroit au bon moment. Et attention Perse là, qui voudrait pouvoir tenter quelque chose sur le side. Perse qui fait pourtant des bons teamfights, hein, mais le problème c'est qu'Hernan il se fait quasiment instant pendant ses fights avec la Kai'Sa qui lui saute dessus. Ouais, c'est un peu le Il est obligé de se livrer, c'est pas du tout des teamfights que veulent faire des Jhin, hein, ce genre de teamfight. On est obligé d'aller de l'avant comme ça, face check, contre des champions qui ont leur flash. Et Kuro d'ailleurs qui n'a même pas eu besoin d'utiliser son flash au fight précédent. Non, il avait le flank, les G2 qui n'étaient pas prêts en termes de vision, qui ont été pris de vitesse par les Freaks. Bon après pas dramatique, on a égalité en gold, si on perd pas trop de choses sur ce baron, tout est jouable encore. A priori les Freeze qui devraient jouer pour la T2 top. On la remplace, on a le back tout de même de la part de Kramer. Est-ce qu'ils vont réussir à l'accélérer une dernière fois les Freeze dans cette dernière minute? On a pas l'air trop parti pour hein. J'ai pas l'impression. Alors après est-ce que Spirit vient de mettre un slow push sur le top side? Je suis pas certain, j'ai pas vu s'il avait tué le canon. Pas vu non plus. Allez, si les Freaks sont en place, allez, il leur reste 40 secondes. C'était bien slow push. Voilà, Spirit qui a simplement clear quelques minions pour créer un slow push très très lent pour arriver d'ici une trentaine de secondes vers la tourelle de la T2. Là, les Freaks qui sont mid lane mais qui sont simplement là pour fixer les G2 et basculer sur la tourelle top lorsque la wave va arriver. King qui repart en side lane avec son téléport de toute façon. Il ne veut pas se faire trop push sur la bot lane pour conserver un contrôle de map très agressif. Allez, les G2. C'est bien ce que font les G2 là, de push à 5 cette mid lane à ce moment là, plutôt que de laisser les Africa Freaks revenir sur la top lane. Il faut peut-être faire un pic. Oh, Spirit qui fait un peu Spirit qui pourrait tomber sur cette phase de jeu, tandis que Kramer répond parfaitement. Les G2 Esports sont en place. Attention tout de même, le Ryze et la Kai'Sa peuvent être des éléments mortels. Et Kuro qui tombe de nouveau, un flank, Yankos qui se jette et qui tombe directement sous le burst des Africa Freaks. Wadi des consorts doivent reculer. Yarnan sécurise tout de même ce qu'il est maintenant. C'est là. Accélération de Kramer. Kramer qui est au contact. Spirit qui envoie un ulti qui contrôle Yarnan. Double kill pour la Kai'Sa.
et fin. Et je crois, fin des festivités, Duke. Je crois que c'est la game pour les G2. Tristement, il va falloir aller jouer ce tie-break contre les Flash Wolves. Ce tie-break qui va sans doute se jouer au triple. Les Freaks, après une séquence de matchs aller difficile, reviennent dans cette deuxième journée et sécurisent la première place du groupe A. La Corée n'est pas morte. Dur, dur pour les G2, mais logique. Pas une excellente game de leur part. Beaucoup d'erreurs. On a piétiné énormément en termes de macro. Ils auraient pu mieux accélérer à certains moments et ils ont été pris au piège sur cette bonne séquence Afrique-Afrique autour du Baron. Afrique qui ont mieux joué tout simplement et derrière qui trouvent les opportunités d'utiliser leur compo de meilleure manière. On voit que les G2 sans un Afrique push, ils ont du mal vraiment à entrer dans la jungle ennemie. En fait, quand on joue en 4, quand on joue autour de Perse, certes, on peut bien fight, mais on peut pas forcément jouer correctement les objectifs. Et j'ai trouvé ce time catch pas forcément bien utilisé. Bref, les G2 ne méritaient pas cette victoire. Et il va falloir tout simplement accélérer pour aller chercher les flashs. Ils jouent juste après les G2 eSports face aux Flash Wolves. Des Flash Wolves qui pourront choisir leur side. Choisiront-ils le raid pour avoir ce counter pick sur justement Wonder, où les choses vont peut-être se passer différemment. Je pense que les Flash Wolves pourraient choisir le Blue Side vu leur priorité, simplement pour récupérer peut-être une des priorités support en first pick et derrière aller chercher un Sion par exemple. On a vu les Flash Wolves qui jouent énormément autour du Sion. Je pense que les G2 doivent ban le Sion des Flash Wolves. Ils ne le jouent pas de toute façon. Pourquoi donner un champion aussi fort à ces Flash Wolves qui le flexent dans tous les sens? Les G2, ils ont l'air d'aimer le Blue Side. C'est souvent leur side de prédilection, même si je pense qu'un Red Side est plus intéressant pour eux. Bah écoute, on va voir. En tout cas, les Freaks qui reviennent un peu des enfers et qui du coup sécurisent la première place de ce groupe A. Bon, ce n'est évidemment pas fini, mais on va discuter de tout ça du côté de l'analyse desk. Zab, c'est à toi. Merci Chips, merci Duke, des G2 qui en effet, vous l'avez dit, un peu trop juste dans cette game face à des Africa qui ont eu le temps en fait de se déployer. Pourtant, ça avait si bien commencé, le conte de fées avait presque eu lieu. Forcément pas mal d'erreurs qui ont été pointées je pense de notre côté. Donc on va essayer de revoir ça. Des G2 qui ont bien commencé, qui avaient pris le contrôle de la game quand même. Hein. Oui, tout à fait, ils avaient pris le contrôle de la game. Ils ont réussi à set-up à peu près tout ce qu'ils voulaient jusqu'à ce qu'on arrive au Herald. Et là, ça commençait à être un petit peu compliqué pour eux. Mais derrière, ils n'ont pas réussi à accélérer. Ça les a ralentis et il y a une excellente défense red side des Afrique-Afrique. C'est une des spécialités des Coréens. Et là, ils les ont montré, ils savent tempo une game quand ils sont en difficulté. Est-ce que tu penses, toi, Traiton, que les G2 aurait dû jouer le snowball, parce qu'on les voit en fait ils cassent cette tour bot side alors qu'ils venaient de défendre en fait leur tour bot side. Ils ne swappent pas, il y a un fight, après il y a ce mouvement Herald. Qu'est-ce qu'il a manqué à G2 dans cette early game? Pour moi, ils ont pick une bot lane gagnante tout simplement. Jin Tamken c'est super bien contre Alistar, en plus contre Kai'Sa bah ils peuvent absolument rien faire, et en plus ils ont Galio qui doit flash level 1 et donc Cassio qui a une free prio totale au mid, et donc ils arrivent à prendre la tourelle grâce à ça. Et moi, selon moi, ils auraient dû passer de la bot lane directement à la top lane, aller sur la rade beaucoup plus tôt et beaucoup plus accélérer la game en fait, tout simplement parce que je pense pas qu'ils ont le scaling. Et malheureusement, ils sont restés un peu trop bot lane, ils ont pris un fight où je crois qu'ils prennent 1-0, mais ça leur donne pas grand chose, et du coup ils perdent pas mal de temps et ils donnent du temps à la Corée pour scale up et pour finalement revenir dans la game tout simplement. Une Corée qui avait choisi une stratégie de draft assez intéressante contre G2. On laisse le Aatrox très tôt dans la partie. On va bait la Cassio avec ce pick Ryze et on voit le Ryze contre le Aatrox qui est gagnant en late game. En tout cas, qui peut waveflare contre Aatrox. Et on va jouer autour de ça, ce qui était quand même très très bien pensé. Et on revoit justement ce fight qui avait été lancé sans incidence finalement. Au final, ils ont pris donc un kill et un Drake, alors qu'il y avait peut-être un Herald qui était peut-être un peu mieux à prendre. Et là, on va voir du coup le move au Nashor. G2 qui force un 50-50, donc c'est très risqué. Après, ouais, ralenti sur Yanko, si tu peux le ralentir un peu, voilà. Smite. Donc, non, c'est plus tard, c'est un peu plus tard. Donc là, il se fait burst. Il faut continuer le fight, donc là le fight va commencer, les Afrikafriks vont tout simplement venir, c'est beaucoup plus tard en vrai. Donc là les Afrikafriks vont mettre de la pression sur G2, là leur call c'est de back, un super flash in. Et là maintenant il y a Yankos, on va voir Kai'Sa qui va go in.
non, très très peu de temps sur la backline adverse avec le Galio. Et là, Yonkos, au lieu de rester avec ses potes, il va dash de l'autre côté du mur, il va abandonner Perks, et il va juste dash pour mourir et Zonia. Et je pense que s'il restait avec Perks et qu'il restait fight le Galio, il le tuait. Et potentiellement, après, il pouvait back à 3 et garder le Nashor. Et le fait que Yonkos dash ce mur et abandonne du coup Perks, qui est son main DPS, selon moi, fait qu'à ce moment-là, ils perdent, bah, ils se font ace pour rien, alors que je pense que vraiment que si. Surtout qu'il a encore l'ulti Yonkos. Hein. Si Yonkos là, se retourne sur Kai'Sa instantanément avec Galio, je pense qu'il gagne 100% le fight. Yonkos qui a du mal, on le sait, c'est sa réputation, un joueur qui a du mal à avoir confiance en lui ou alors qui a trop confiance en lui lors des matchs décisifs. G2 a un match hyper important à jouer, c'est un match de qualification contre des Flash Wolves. On l'a pas senti super à l'aise sur Camille. Voilà, on voit là, c'est le dernier engage. Et par contre, les combos d'Alistar Tucin a fait un match exceptionnel en live, un jeu de oui. WQ Flash, c'est des choses assez belles à voir quand on. Comme pour jouer Alistar, ce qu'il fait, c'est vraiment pas facile. Hein. Ouais, c'est un joueur, comme il le disait, les casters, qui a été peut-être un peu sous-estimé. Du coup, quel pick pour Yonkos pour la dernière game? Qu'est-ce qui... Moi, je trouve que de le mettre sur un pick aussi all-in que Camille, parce que pour moi, c'est un pick dans la jungle qui est très all-in. Si on rate l'early game, la game va être quasiment impossible. Le mid-game est très difficile à passer. On n'a pas le droit à l'erreur parce qu'on est extrêmement squishy. Après une game comme ça et les petites erreurs qu'il a faites et le mondial qu'il a fait, je pense qu'on ne met pas le joueur dans de bonnes conditions. Bah, c'est quelque chose qu'on verra. On revoit voilà, le post-game breakdown. Avec ce spike, G2 qui a juste pas converti, ils avaient des balles, mais peut-être la peur de gagner, la peur de... En fait, c'est ça là aussi l'avantage de la Corée, ça fait tellement longtemps qu'ils gagnent qu'on n'y croit pas, et la Corée se dit, elle ne croit pas à la défaite, quand elle doit perdre, elle se dit mais c'est pas possible, et alors que pour les Européens, les Américains, c'est mais attends, on va battre la Corée, qu'est-ce qui se passe? Et je pense que ça a joué, parce que les G2 avaient cette game, je pense. Ah oui, après... bon, c'est le fight au Nashor pour moi qui tourne la game. Parce que déjà faire un Nashor 50-50, c'est quand même risqué. Et le fight au Nashor, s'il se passe bien, je pense que j'ai deux gagnes. Et dans la communication, ça va peut-être un petit peu paniqué. Peut-être qu'un call de focus a mal été fait. C'est pas forcément la faute de Junko, c'est peut-être la communication qui a été mal faite. Et malheureusement, moi, selon moi, là-dessus, ils perdent vraiment tout. Et après Kai'Sa, on l'a vu, celle qui avait le plus de dégâts dans la game. Et une fois que Kai'Sa passe devant avec Galio en teamfight, ça devenait très très compliqué. Ouais, c'était extrêmement compliqué. On va revoir maintenant les pronos parce que l'issue de ce groupe n'était pas forcément triviale. Et à l'issue de cette journée, donc les pronostics voilà, qui ont été remplis, eh bien, on a Tech qui revient un petit peu à 53% et ça commence à se tasser. C'est vrai qu'avec tous ces... Ah mais t'es loin devant en fait avec les 72%, mon cher Zaboutine. Eh oui, écoute, c'est aussi ça, la vie d'un analyste alpha. Mais voilà, mais du coup je peux pas aller au Yémen, donc chacun son... En vrai, t'avais tout bon sauf le Flash Wolf Buffalo, donc pas trop mal. Et bon, c'est un upset qui était assez peu prévisible. Lui, il est dur à trouver, lui. Et du coup, bah, on va faire une courte pause. La journée n'est pas terminée. Restez avec nous sur OGaming puisque le match suivant est déterminant. Ouais, le match suivant, j'ai bugué un peu. Le match suivant est déterminant. Ce sera les G2 eSports qui joueront contre les Africa Freaks. Celui qui perd est out. C'est juste après une pause sur OGaming. À tout de suite.